Hey, c'est Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la sixième partie de Cyberpunk 2077. La dernière fois, on avait exploré la chambre de Yorinobu Arasaka via la danse sensorielle. Cette fois-ci, on doit passer à la mission suivante qui consiste à aller cambrioler donc sa chambre pour retrouver la puce. Donc la mission est celle-ci, donc se rendre à l'Afterlife. Alors l'intitulé à Night City, la seule chose qui la seule porte qu'il faut s'ouvrir, c'est celle de l'Afterlife. Une fois que t'as mis les pieds dans ce monde, les gens s'écartent partout sur ton passage. Dex aurait pas pu choisir un meilleur endroit pour se chauffer avant le casse, pas vrai? L'Afterlife, c'est un signe pour nous, et c'est. Donc, c'est cette mission. Alors, avant de commencer, par rapport à l'histoire principale, donc, on en est à 10%. Donc, je voulais l'intituler l'Afterlife. On a forcé la porte de l'Afterlife, il nous reste plus qu'à y entrer. Les étoiles sont enfin alignées. Un contrat avec un fixeur Premios, une équipe fiable, une mission à accomplir. T'entends ça? C'est la cour des grands qui nous appelle. On va graver nos noms dans l'histoire de cette ville pour les siècles à venir. Voilà, donc on est à 10% de l'histoire principale. Alors, avant de commencer, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode 4, où il y avait le deal qui a mal tourné, on avait fabriqué ce pistolet, donc celui-ci. Voilà, ce revolver plutôt. Donc, moi, comme j'ai fait des missions secondaires de mon côté, j'ai pu en acheter un nouveau, donc celui-ci, qui coûte exactement 20 000. Enfin, il coûtait 20 000. Donc, à savoir que celui-ci, je l'ai amélioré, je lui ai mis des mods, donc je vais vous montrer. Donc, comparé à celui que j'avais avant, il fait le double de dégâts. Donc je l'ai amélioré, ce qui fait que maintenant il donne 143 de dommages par seconde, ce qui est énorme. Et ensuite j'ai rajouté donc une lunette, donc un viseur dessus. J'ai rajouté des modules, à savoir un qui rend mon arme non létale et qui augmente les dégâts de 6, un deuxième qui augmente les dégâts critiques de 8%, un troisième qui augmente les dégâts infligés aux membres, donc aux bras, aux jambes, à la tête, de 5%, et un troisième qui fait que quand je tire sur une cible et que je la touche, ses dégâts sont réduits de 20% pendant 10 secondes. Voilà. Donc, on va jouer avec cette arme à partir de maintenant. Ensuite, donc, j'ai gagné quelques vêtements, comme vous pouvez le voir, qui m'apportent des points d'armure. Donc, ces points d'armure sont ici, 76. Alors, on a des points de compétence ici, ce qui fait qu'on va augmenter donc certains niveaux. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est le réflexe, on va monter donc de 2 niveaux. Voilà. L'intelligence, on va la monter d'un niveau. Parfait. Maintenant, comme vous pouvez voir, les points d'attribut, on n'en a plus, il nous reste des points d'avantage. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans réflexe, arme de poing. On va donc augmenter le niveau donc de dueliste qui nous permet de faire plus de coups critiques avec les revolvers et les pistolets. Voilà, on est à 3 sur 3. Maintenant, on va revenir en arrière, on va aller dans Constitution. On va venir donc sur Invincible, ce qui va augmenter notre santé. Donc déjà 10%. Est-ce qu'on peut passer au niveau 2? Oui. Et au niveau 3? Oui. Donc maintenant, on est à 1% de santé supplémentaire. Donc on va garder le dernier point pour le moment. Maintenant, on va aller voir combien on a de santé. Donc, personnage. Non, c'est pas là, c'est inventaire. Maintenant, on a une santé de 182. Parfait. Ensuite, on va se crafter, si possible, quelques kits de soins supplémentaires. Donc, il nous faut 8 objets communs et 3 objets peu courants. Allez, on fabrique. On va fabriquer le maximum, comme cela, en plus, on récupère de l'XP, ce qui est pratique. Je sais pas combien on peut en avoir, enfin, je pense pas qu'il y ait de limite, de toute façon. Voilà, donc là on est au maximum. Alors, ce qui fait qu'on en a exactement, on en a 25. Voilà, je vous rappelle qu'on joue en très difficile, donc on va en avoir besoin. Bien, maintenant on va se rendre à l'Afterlife, et à partir de là, on pourra continuer donc l'histoire principale. Donc l'Afterlife se trouve juste ici. Alors, on prend ceci, et on est parti. On va prendre l'ascenseur. Allez. Je vous montre le pistolet. Collectivité locale. Le NCPD va compléter son arsenal avec des exocuirasses
30 exemplaires qui seront utilisés par le... Ah. Allez, on y va. Donc j'avais placé ici une bécane qui n'est plus là. Donc est-ce qu'on peut prendre la voiture sans... C'est une voiture sans permis, ça. Vas-y, allez, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Wouh! Mon Dieu. Ah, c'était là, d'accord. Demi-tour. Et on s'arrête. J'imagine qu'il faut rentrer là. Là, il y a les flics. Qu'est-ce qu'ils font? Pas de casier judiciaire. Ok. Ah, j'adore les ruelles sombres. C'est glauque. Yo, je t'aime aussi, oui. C'est pas trop tôt, essaie. Alors, comment va Señora Wells? Bah, tu sais, elle s'inquiète pour moi. Bla bla bla. Elle peut pas s'en empêcher. Il faut qu'elle vérifie si je suis pas mort au fond d'une benne, comme presque tous les gars de la famille Wells. J'en peux plus de tout ça. Plus je lui dis que ça va, plus j'ai l'impression de lui mentir comme un arracheur de dents. Mais demain, ce sera l'histoire ancienne. Afterlife, nous voilà. L'Afterlife, un nom qui résonne jusque très loin. Ah ouais? Les plus beaux coups des clans nomades, c'est là qu'ils les ont eus. Ça m'étonne pas. Y a pas de meilleur endroit à Night City pour trouver un boulot. Prêt à prendre une claque? Allez! Oh, une seconde. Je viens de voir qu'on n'avait pas beaucoup de munitions, de pistolets, fusils, fusils à pompe, sniper. Donc, de pistolets. Est-ce qu'on peut en fabriquer une boîte? Bon. Ce sera mieux que rien. C'était une morgue ici avant. C'est dingue. Ouais, pas croyable. Je t'assure, c'était bien avant notre époque, quand on faisait encore de vrais enterrements. Vous êtes qui, les deux clowns? Je m'appelle V. Lui, c'est Jackie Wells. Et c'est censé me dire quelque chose. Ça devrait pas tarder. On vient voir Dex. Hey Dex, j'ai deux clampins qui me disent qu'ils ont rendez-vous avec toi. Ouais? Ok. Il dit qu'il sera dispo dans une minute. Allez vous prendre un verre. Pas la peine de nous le dire, Viejo. Ils nous ont déposé à l'hôpital. Niais! Au Cap. La meilleure perle de ma vie. Le cœur de Night City. Quel coin du monde? C'est lui qui bat. L'alcool à volonté. T'imagines un peu? Suzanne Forrest, Boa Boa, peut-être même Morgan Blackhand. Ils ont posé leur cul sur ces tabourets, roupillés sur ce bar. On dirait que c'est notre tour. Hey, tu vois la vieille là-bas? C'est Rogue, la meilleure fixeur de tout Night City. Je croyais que c'était Dex le meilleur. Rogue montait déjà des opérations quand Dex chie encore dans ses couches. Cet endroit lui appartient. Qu'est-ce que je vous sers?
Vas-y, commande. 2 tequila old fashion avec un trait de cerveza et un piment. 2 Johnny Silverhand, c'est parti. C'est ça, chica. Il y en a un qui a fait ses devoirs. Le chien a dû manger les miens. C'est une tradition. Nos cocktails portent les noms de nos habitudes. Si je voulais avoir un cocktail à mon nom, faudrait que je fasse quoi? Te faire buter. Et de façon spectaculaire. En pleine OP, ce serait parfait. Ah, j'adore cette tradition. À Night City. Et à l'Afterlife. Qui d'autre a eu droit à son cocktail? Ils sont tous à la carte. Il en manque quand même un. Morgan Blackhand, non? Pas faux. Morgan n'a pas encore décidé s'il était mort ou bien vivant. Ouais. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Tu crois qu'il est toujours en vie? Après toutes ces années? Pourquoi pas? Regardez Rogue. Les gens de cette époque, c'est une espèce à part. C'est pas si cher payé pour entrer dans l'histoire. Mais faut d'abord mener une vie de légende, hein. La mort, c'est juste le bouquet final. Ah, et au fait, je m'appelle Jackie Wells. Tu veux écrire Marcette? Bien sûr. Un shot de vodka on the rocks, jus de citron vert et ginger beer. Et le plus important, un peu d'amour. Je m'en souviendrai. Il paraît que vous êtes les dernières recrues de Dex. On bosse ensemble, c'est tout. Monsieur Deschaune va vous recevoir. Dex, c'est un habitué? Il vient souvent? Il avait un peu disparu de la circulation. Il n'a pas pointé son nez ici pendant presque 2 ans. Un fauve doit suivre sa propre voie, non? Ouais, ben, je sais pas où il était passé, mais il a bien fondu. Il livrait peut-être pas de pizza là-bas, en fin de compte. Comment tu sais ça? Ça fait partie de mon boulot. Comment tu crois que les mercs forgent leur répute? En répandant des ragots comme des lycéennes en chaleur. Voilà comment. Bon, bah, je vous dis merde. Merci. Par là. Putain, Choum, t'es massif! Tu fais du sport? Ouais. Moi aussi, de la boxe. Tu fais des trucs exotiques, genre Kenpo ou Ninjutsu? Ouais. Tu crois que t'arriverais à m'étendre? Entrez là. C'était pinche type, hein. Excelsior, c'est ça. En cache, comme d'habitude. Bon, je dois y aller. Tiens, tiens, mais c'est Monsieur V. Toute la famille au grand complet. Ha ! Enfin ! Une première dans l'espace réel. Et le Flathead ? Voyons voir ce petit gars. Bon, allez. Posez vos culs confortablement. J'ai pas envie de me... Cool pour ton aide dans la planque de désosseur. Quelques charognards de moi. La ville s'en portera pas plus mal. La mairie devrait carrément nous remercier. Chouette cabine. Elle est insonorisée. Jackie. Allons, allons, monsieur Wells a raison. On va parler de choses assez sensibles. Mais si ça vous dérange pas, j'aimerais d'abord poser une question à monsieur V. Comment ça s'est passé avec Evelyn Parker? Ah oui, c'est vrai qu'elle nous a demandé si on voulait le mettre hors du coup. Oh. Alors, plutôt bien, j'ai vu l'intérieur du cône Peki Plaza. Plutôt bien, je dirais. J'ai visité l'intérieur du cône Peki Plaza grâce à la déesse brute qu'elle a tournée.
Bug m'a déjà expliqué ça. Vous connaissez la cible, alors? Yorinobu Arasaka, le fils de l'empereur et l'héritier probable. Un homme dont le nom en vaut des millions, mais sans un brin de talent. Le grand ami d'Evelyn Parker. Alors, elle voulait juste dire bonjour ou il y avait autre chose? C'est tout, c'est quoi? Non, c'est tout. Je crois qu'elle voulait juste voir ce que j'avais dans le ventre. Ce que t'avais dans le ventre? Et si on parlait plutôt du plan? Vous avez prévu quoi, Dex? Ça. Ok, alors c'est parti. Dex et moi, on a déjà planifié tous les détails. Cette opération devrait être une vraie balade. Développe, je voudrais en savoir plus. Une de la mène vous déposera devant le Konpeki Plaza. Vous entrerez tranquillement grâce à vos fausses identités. Après, avec l'aide de Bug, vous piraterez le sous-réseau de l'hôtel. Mon aide est celle du Flathead. Pour finir, vous vous introduirez dans le penthouse de Yorinobu et vous volerez la relique. Évidemment, tout doit se faire discrètement. Et dans l'idéal, sans semer de cadavres. Vous serez en lien avec T-Bug tout du long. Allez, j'attends vos questions. On va prendre une de la Main. La compagnie de taxi la plus premium de Night City. Non, non, mal. De Jaune ne travaille qu'avec les meilleurs, et pour moi, de la Main en fait partie. Pourquoi s'emmerder avec un chauffeur de taxi trop curieux quand une IA peut nous mener du point A au point B avec classe? Le mystère, c'est comment il arrive à renouveler son permis tous les ans. Si tout se passe comme prévu, de la Main vous ramènera ici. Si les choses se gâtent, il vous conduira à la planque. Laquelle? Le Notel Motel. Un endroit calme où on pose pas de questions. On réfléchira à la suite une fois là-bas, mais je suis sûr que ça sera pas nécessaire. Autre chose? Parlez-nous de nos nouvelles identités. Ce sera quoi notre couverture? Toi, tu es Ramon Victorino. Et toi, Harry Conwell. Ramon? Et on dit qu'on est là pour quoi? Pour affaire. Une vente d'armes à une corpo. Si on vous demande, vous venez pour une réunion bidon avec le représentant de la défense d'Arasaka, Haji Metaki. Autre chose? On entre comment dans le penthouse? Yorinobu a presque pas de mignon. Le plus dur, ce sera la sécurité du penthouse. Pour la désactiver, faudra neutraliser le résident du Konpeki, un être honneur d'élite qui surveille le sous-réseau de l'hôtel 24 heures sur 24. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moyen d'entrer dans la planque du résident de l'extérieur. Attends, comment tu veux qu'on entre dans cette pièce s'il n'y a aucun accès? Croyez-moi, T-Bug a déjà résolu tous les problèmes que vous pourriez trouver. C'est là que le Flathead entre en scène. Vous devez l'introduire dans les conduits de ventilation, le guider jusqu'au résident et forcer Steep à prendre une pause. Le Flathead restera là-bas, connecté au résident, mais ça me permettra de vous dérouler le tapis rouge jusque dans le penthouse. Autre chose? Je crois que j'ai tout compris. Parfait. J'ai une question, moi. Quand est-ce qu'on parle de ce qui nous intéresse vraiment? Pour les nouveaux, la part est toujours la même et non négociable. 30%. 30? Sérieux? Tout le monde prend des risques dans cette histoire. C'est ce que valent les vôtres, d'après moi. Sérieux, Dex? Ça fait pas grand-chose, là, non? Attends un peu. Qui a récupéré le Flathead? Qui a extrait les infos de la danse sensorielle? Et qui va se pointer dans un hôtel bourré d'hommes d'Arasaka pour piquer un gadget au fils du Big Boss? Sans nous, y a pas d'opération. Et qui vous fournit le transport? Une netrunner balèze, un plan en béton et toutes les infos. Vous êtes sûr de vouloir jouer à ça? Jack a raison, Dex. On peut pas se contenter de 30%. On met un de plus. D'accord. 35 et c'est ma dernière offre. Je m'en contenterai. On est bon. Ça faisait longtemps qu'on m'avait pas tenu tête. C'est plutôt drôle, en fait. Une dernière chose, le Konpeki a une politique anti-armes très stricte, portail de sécurité et tout tralala. Alors vous laisserez vos cracheurs dans la caisse et vous entrerez avec le Flathead dans sa mallette. On a aussi des costumes pro pour que vous vous fondiez dans le décor. Chino!
Merci, Bug. Bon, je veux pas faire le rapia, hein. Mais quand est-ce qu'on aura nos édits ? Tout dépendra de Miss Parker, mais je dirais d'ici une semaine, maximum deux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là ? On se tourne les pouces ? Vous attendez, vous faites profil bas, parce qu'Arasaka a des yeux partout. Bien, comme disait ce vieux type en Grèce, la vie est un banquet. Faut pas se priver, mais faut pas finir ivre mort. Ah bah, Caron, je vous attends dehors. Bon, je décolle aussi. Je dois me connecter, histoire d'être prête quand vous me contacterez. Si vous avez des questions, c'est le moment. Ce plan, t'en penses quoi ? J'espère bien qu'il suffira à me payer une villa de luxe en Crète, d'où j'aurai plus jamais à mettre les pieds dans le cyberespace. Tu m'enverras une carte postale ? Désolée, mais je compte bien couper les ponts avec tout le monde. Changer de vie. Ça fait longtemps que vous vous connaissez avec Dex ? Pourquoi ? Ah, tu sais, il y a plusieurs sons de cloche. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. C'est de Marc Aurèle, je crois. Dex et toi, vous êtes deux philosophes. Pas étonnant que vous soyez potes. C'est bon pour moi. Allez, au boulot. Alors t'es prêt ? On y va ? En route, ça sert à rien d'attendre. Attendons pas d'être riche. Bienvenue dans ce véhicule de la Main. Avec de la Main, vos problèmes restent sur le trottoir. Putain de sa mère, un peu qui vont y rester. Faut voir. On a le costume, normal. Faut voir. Combinaison Militech, peu courant. Un costume un peu plus banal d'agent de corporation. Ok. Mais bon, on va s'amuser. Je ne vois aucune raison d'employer un tel langage. Ah ouais ? Et la fois où j'ai voulu t'engager pour l'enterrement de vie de garçon de mon cousin, hein ? Hélas, nous n'acceptons pas ce genre de contrat. J'avais économisé pendant 3 mois. Bon, c'est de l'histoire ancienne. Fonce-t-elle ? Avant le début de notre voyage, je dois vérifier l'identité de tous les clients. Veuillez connecter vos liaisons personnelles. Merci. Forfait Excelsior activé. Excelsior ? C'est de mieux en mieux. Excelsior ? Le forfait Excelsior est conçu pour les clients d'exception. La qualité, c'est pas donné, tu sais. Regarde ça. De la Main, active le mode de combat. Je suis navré, mais vous ne semblez pas courir de risque imminent. Non, ah, tant pis. Tu peux me croire, il dégommera une armée de ninjas d'Arasaka s'il le faut. Ce mode de combat, c'est légal au moins ? Bien sûr. C'est garanti par le deuxième amendement. Tant que vous êtes à bord, vous êtes en droit de me porter et de m'utiliser. Ça comprend quoi d'autre, l'Excelsior ? Une couverture santé intégrale, comprenant le transport et le traitement de la dépouille d'un client en cas de décès à bord. Putain, ça plombe l'ambiance d'un coup. Dex, c'est pas foutu de nous, là. Au moins, on sait où passe une bonne partie de ces 65%, hein. Excelsior. C'est comme ça qu'on rêve d'entrer dans la cour des grands. C'est vraiment tout ce qui compte pour toi ? Hein ? Dex peut t'acheter avec si peu. Un costume et une limo. Je sais pas, Jack. J'ai un peu l'impression que t'es en train de te ramollir. J'ai plutôt l'impression que c'est toi qui as un problème. Faut que t'aies les idées claires, que tu restes concentré. On a un boulot à faire. J'ai jamais eu les idées aussi claires de toute ma putain de vie. Il faut que je t'explique un truc. Hop, hop, hop. Donc là, on rentre dans le quartier de Watson. Non, ça c'est le quartier général. Pont de mer d'Arasaka, d'accord. J'ai passé toute ma vie dans ce bordel qui nous entoure. Et il n'est pas question d'y retourner. Salut,
Ça roule ? Comme après s'être astiqué avec une râpe. On devrait bientôt arriver à l'hôtel. Bon, j'ai établi une ligne cryptée directe pour vous guider dans le cône Peki. V, appelle Jackie, qu'on voit si tout est synchro. On n'est jamais trop prudent. Alors ? C'est brouillé. Tu peux dire un truc, Bug ? Les plus grands crimes sont commis non par besoin, mais pour satisfaire des désirs superflus. Quoi ? C'est d'Aristote. J'en déduis que tu captes bien. Toi, ouais, je te capte. Ton pote grec, un peu moins. Mais c'était passionnant. Tu devrais le lire. Essayez de méditer ça. Et de ton côté, V ? Je te reçois 5 sur 5. Parfait. Allez, pour la technique, on est bon. C'est la miroir que si. On garde contact. Merci d'avoir choisi le réseau de la Maid. Je vous souhaite bonne chance. J'attendrai ici jusqu'à votre retour. Ça y est, enfin. J'ai failli oublier, pas de crasheur, hein. Allez, Harry, on y va. Attends, je vais prendre le Flathead. J'ai pas d'armes. Oh fuck, pas d'armes. Avec ça, on est tranquille. On est devant, Bug. N'oublie pas, la réservation est à ton nom, Ramon. Rendez-vous avec Hajime Taki, le représentant de la branche tech militaire. Bienvenue au Conte qui pas de ben, trouve-le. T'inquiète. Il me fait des fleurs, c'est tout. Bienvenue au Konpeki Plaza. Veuillez former une file, s'il vous plaît. Ça marche, mon pote. Monsieur. Un instant, je vous prie. J'ai quelque chose. Monsieur, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous apportez un bot de combat dans les locaux du Konpeki Plaza ? On est des vendeurs d'armes. Quoi ? Ah ! Vous avez un rendez-vous avec Taki-san, c'est ça ? Je vous présente mes plus plates excuses pour cette erreur. Ça ne prendra qu'un petit instant, monsieur. Allez-y. Yokoso. Bonjour et bienvenue au Konpeki Plaza. On aimerait s'enregistrer. Mais bien sûr. Un instant, je vous prie. La réservation est à quel nom ? Victorino. Chambre double, deux adultes pour une nuit, c'est bien ça ? C'est ça. Parfait. Je vais aller prévenir Taki-san de votre arrivée. Merde, ça craint, ça fait pas partie du plan. Parle-lui, V, gagne du temps. Ce sera pas nécessaire. On va aller se rafraîchir d'abord, on le préviendra nous-mêmes. Mais Taki-san vous attend, non ? Señorita, vous savez combien de temps a duré notre voyage ? 18 heures depuis Neo Barcelone. Avec un retard à Metaki, tout ça parce qu'un cyberpsycho s'est fait sauter dans le terminal. Oh, vrai cauchemar. Évidemment, je comprends. Vous avez la suite Lapis-Lazuli au niveau 42. Oh, une dernière petite formalité. Veuillez valider votre puce SID. À toi l'honneur, Harry. Tout est en ordre, merci. Nous vous souhaitons un agréable séjour. Merci. Vaut mieux y aller. Neo Barcelone, sérieux ? C'est ça l'impro. Tu devrais essayer. T'en dis quoi, Harry ? C'est coquet. Pas comme notre hôtel à Zurich pour la dernière convention. C'est bon, Jack. Arrête ça. Quoi ? Je prends mon rôle très au sérieux. Je l'ai pas séduite. Je l'ai enlevé. Juste après le défilé de Buenos Aires. C'était assez hardcore. C'est le
top du top, ces poupées. Le bar a pas l'air trop mal. Ils viendront de rien. Bienvenue au Konpeki Plaza. Nous ne prenons pas de réservation en semaine, alors choisissez la table qu'il vous plaît. À moins que vous ne préfériez vous asseoir au bar. Je viendrai peut-être avec Misty un jour, quand on aura bouclé cette affaire. C'est une bonne idée. Bon, allons voir notre piole. Ça, mais t'es pas mal du tout. Je sais, tout me va de toute façon. Bon, on va rejoindre la chambre maintenant. Hello. En tout cas, ça a l'air grand. On est dans notre chambre. Plutôt classieux. Dommage qu'on reste pas dormir. Super choix, Bug. Je l'ai pas choisi pour sa classe. Elle a offert celle plus rapide aux résidents et aux serveurs. Si, mais à quoi le temps? Maintenant, démarrez le flathead et trouvez l'entrée du conduit. Ça a pas l'air trop dur. La simplicité est parfois la route la plus difficile. C'est qui cette fois? Marc Aurel, Aristote? Celle-là? Elle est de moi. Il est où le conduit? Lance ton scanner et cherche tout autour. Le flathead est prêt à y aller? J'y suis presque. Donc on cherche un conduit. Là. On a un gagnant. Super. Jackie, où en est le flathead? Il est en place. Système opérationnel. Charge à 100. Vous allez rester là à le regarder galérer? Faut passer en commande manuelle. V, prends les clés de contrôle de Jackie. Je vais connecter Tekiroshi à la vidéosurveillance pour que tu guides le robot. La surveillance couvre tout l'hôtel? Ouais. Même les plus marres des suites. Ça dérange pas les clients? T'imagines pas à quoi les gens sont prêts à renoncer pour se sentir en sécurité. Heureusement pour nous, Yorinobu est une exception. Le penthouse est dans le noir, aucune sécurité. Pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi de l'insérer? Vic me fait pas crédit à moi. J'ai un vieux micro-logiciel avec un flux de données trop lent. Allez, cardinal, on n'a pas toute la journée. Tiens. C'est parti. Je te passe en vue caméra. Ça va sûrement te désorienter un peu, mais panique pas. Ok, j'ai un bon visuel. Vous ne pouvez pas mettre les gens à la porte de chez eux et leur lieu de travail comme ça. Arasaka couvrira les dommages et intérêts en intégralité. Ce n'est pas une question d'argent. Les élections approchent. De quoi je vais avoir l'air? Les gens vont commencer à dire que j'ai perdu le contrôle de Watson, mon propre quartier. Une semaine, c'est tout ce qu'on peut vous promettre. On essaiera. Et c'est tout ce que je peux vous promettre. Waouh. Il n'y a pas intérêt à tomber là. C'est bon, le flathead est entré. Je te connecte à la caméra suivante. Vas-y. Pourquoi tu crois que c'était pour toi?
s'était adressé à la gentille femme Bug, de ménage qu'il trouvait. J'ai un souci. Le mot disait... Quoi encore ? Désolé pour le désordre. Une femme de ménage sur le chemin. Il y avait du sang partout. Faut détourner son attention. Voyons ce qu'il y a sur le sous-réseau. Ok, ça marche. Il y a vraiment pas de juste. Il y a un panneau de contrôle sur le terrarium. Je doute que ça soit utile. Et la télé alors, t'en dis quoi ? Tu crois qu'il est célibataire ? Le gentil, cherche encore. Qui ça ? Tu sais bien. Il y a un panneau Smart Room, ça peut servir ? Riche avec un regard non, absolument celui pas. Celui qui occupe le penthouse. Tu parles de Yorinobu Arasaka ? Les types comme lui sont le terrarium a un régulateur de température et de qualité de l'air. Il porte un costume hors de prix, mais c'est un biker dans l'âme. Envoie-t-il Flathead. Toujours prêt pour une nouvelle chevauchée. Moi, je le laisserais bien me chevaucher. Commence déjà par essuyer ce verre. Regarde ça, tu laisses des traces partout. Hé, hey, Bug, ça a marché. Oh, t'as encore rien vu. Est-ce que tu sais seulement combien ça vaut, ces trucs ? Continue d'avancer, on se félicitera plus tard. Allez, on avance tranquillement. Ok. Le résident est derrière la porte. Le Flathead peut forcer la serrure. Allez. Il galère, on dirait. Merde. Doit y avoir un autre accès. Laissez-moi réfléchir. Il y a une autre caméra de l'autre côté de la porte, mais elle est coupée. Tu veux que je l'active ? Ouais, cherche un port de vidéosurveillance. Allez, comme ça on peut activer la caméra. Voilà, c'est fait. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Il est à l'intérieur. Comme prévu. Mais c'est bizarre que cet hôtel ait qu'un seul runner. Un bon résident fait aussi bien que 10 runners de base. Le Flathead devrait pouvoir le neutraliser. Bonne idée. Laisse-moi greffer un démon sur ta connexion. Et tu sais que tu dois connecter le Flathead directement à son fauteuil, hein ? Vas-y, fais-moi passer pour un débutant. C'est bon, envoyé. Il est à toi. Mais tu vas d'abord devoir faire entrer le Flathead. On dirait que le conduit relie les deux pièces. On va vérifier ça. Maintenant, passe sur l'autre caméra. Je crois qu'on a trouvé notre entrée. Envoie le Flathead là-bas et passe sur la seconde caméra. V, connecte le Flathead au fauteuil. Il va lui faire sa fête. C'est rapide. Et blanc. Ouais, on l'a eu. J'adore ces démons. Le Flathead reste là, hein. Ouais, pour surveiller le résident. J'entre dans le réseau principal du cône Peki. Tu peux te déconnecter. Comment tu te sens ? Ça va, j'ai juste la tête qui tourne. Bug, t'en as encore pour longtemps ? T'es là, Bug ? Ouais, je suis là. Bon, écoutez, la glace est plus épaisse que prévu. Ça va me prendre quelques heures pour la percer. Quelques heures ? Y a pas moyen d'accélérer ? Tu veux que ma cervelle grille ou quoi ? Osez-vous et profitez de votre suite de bourges. Compte sur moi. V, détends-toi, ok ? Essaie de t'en poser. Quelques heures plus tard. À ton avis, pourquoi il a renoncé à tout ça ? Hein ? Qui a renoncé à quoi ? Yorinobu Arasaka. Il a renoncé à la belle vie. Ça date, je sais. C'est juste que...
je me demande. C'est comme... Imagine, t'as absolument tout, tu vois. Les édits, l'éducation... Ton vieux peut transformer la moitié du monde en désert nucléaire d'un claquement de doigts. Mais toi, au lieu d'en profiter et tout ça, qu'est-ce que tu fais? Tu crées un putain de gang. Les dragons d'acier machin. Il est con, c'est tout. Tu ta famille, tu te fais poser de la real skin, et tu joues les chefs de gang pendant des années. Pourquoi? Il voulait peut-être juste échapper au système. Pourquoi il est revenu, alors? C'est pas facile de sortir du système quand ce système, c'est ta propre famille. Le mouton noir reste un mouton, hein? On peut dire ça. Il est revenu à quatre pattes, la queue entre les jambes. Ça fait pitié pour un rebelle. C'est qu'un putain de touriste. Touriste ou pas, il vient d'entrer dans le hall. Les affaires reprennent. Sécurité du penthouse neutralisée. Perfecto. Que le spectacle commence. D-Bug, t'es resté à l'écoute tout ce temps? Pendant 3h30. À propos de ce balai dans le cul. Celui que j'ai dans le mien? Je ne pensais pas vraiment, tu sais. Je sais. C'est le moment de te faire pardonner. Qu'un con. Sans silence. Hey, vous voulez en entendre une bien bonne? Maintenant? Sérieux? Allez. Ok. Alors vous savez ce que c'est le cri du cybercochon? Groum groum. Groum groum. Putain, achevez-moi. Ah le con. C'est pas mal d'être l'héritier de l'Empire Arasaka. En tout cas, c'est mieux que d'être le fils de Raoul Wells. On se concentre. Le coffre. Émaniez-vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui presse? J'ai perdu le signal de Yorinobu. Merde, c'est un putain de sorcier ou quoi? Il doit être dans un angle mort. Je le récupérerai dans quelques secondes. Faites votre boulot. Bingo! Il y a un truc qui sort. Amène-toi, mais... Maintenant? Utilise ta liaison perso et rends-nous riches. Une seconde. Ça marche. Ok, c'est fermé. Allez. Mike-toi. Yorinobu pour revenir d'un moment à l'autre. Se connecter. À toi de jouer, Bug. Deux secondes. Dibble, il y a le squelette qui va débarquer, là. Le mec avec l'armure métallique. Oh, putain. Des visiteurs arrivent en avis. Bug. Je sais pas qui c'est, mais le personnel s'agite. 200 employés, ça court de partout. J'aime pas trop ça. T'as bientôt fini, T? Merde, Yorinobu va vers le penthouse. On s'en fout. Ouvre le coffre. J'y suis presque. Voilà. Premios. Alors voyons voir ça. La relique est intacte? Intégrité du bio-éclat, 100%. Ça doit vouloir dire oui. Parfait, on y va. Merde, trop tard. Yorinobu va entrer. Planquez-vous. Où? La grosse colonne, là! C'est une blague ou quoi? Non! Entrez dedans, vite! On est entré. Mais ça résout pas notre problème, T. Je sais bien qu'on a toujours un putain de problème. Laisse-moi réfléchir une seconde. Impossible. C'est pas Adam Smasher. Un garde du corps. Pire. Une légende de Night City. Plutôt du genre trash.
plage ou comment? On attend. Est-ce qu'ils sont là? Ils arrivent de la zone d'atterrissage. Putain, mais de quoi ils parlent? Bug, qui est-ce qui se ramène? Oh non, j'y crois pas. C'est pas possible. Oh my fucking god. Saburo Arasaka? L'empereur. Encore une putain de légende. Chut. Cette gamine-là est pas insonorisée. Il y a le vieux, le gosse là. Oh putain.世界は自分中心に回ってると思っている。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を味わわせ立場を思い知らせるためか。出る杭は打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡せなど。私たちの未来を。<笑>俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろう。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。 いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。 息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。プッターン。これでもう誰のことも許す必要はない。 Il va nous voir. Je voudrais que l'hôtel soit bouclé. Puis-je savoir pourquoi? Saburo Arasaka a été assassiné. Code rouge déclenché. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Nando Sawagi desu. Dareka ga
誰かが実に毒を持った。毒を。そのようだ。ヨリノブさん、しかし。竹村、お前の仕事は何だ。何の話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の家長を守ることです。今後はもっとしっかり責務を果たすよう望んでいるぞ。お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。Putain, qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Yarinobu, il vient de buter Saburo. Quoi ? Son propre père. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça va grouiller de garde en moins de deux. Oh putain, on est dans la merde. Bug, faut que tu nous sortes de là, et vite ! Juste une seconde ! On n'a pas une seconde ! Merde ! Ok, putain, j'ai trouvé. Saburo Arasaka est mort. Ça fait bizarre, rien que de le dire. Je la déverrouille. Vous devriez voir une échelle. Échelle ? Oh merde ! Non, 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 pas maintenant ! Ils l'ont trouvé ! Bug ! Oh putain de merde ! On a perdu T ! Putain ! La cour des grands, putain ! Tu prends ton pied là, Jackie ! Regarde pas en bas, c'est tout. Ouh ! C'est sacrément haut, n'empêche ! Merde ! C'est la trauma ! S'ils viennent pour Saburo, c'est trop tard. Putain, j'espère qu'ils nous ont pas vus. Y'en a madré ! C'est quelqu'un pour notre premier compagnon de chambre. Oh, tu m'arrêtes ! Putain. En plus, on n'a pas d'armes dans la merde. Oh merde ! Ah ! C'était chaud. La relique ! Madres ! Non ! C'est pas bon ça. Ouvre-la ! Jackie, tu saignes ! Tu t'en feras pour moi plus tard. Vérifie la relique. Donne. Conteneur dépressurisé. Intégrité de la biopuce à 94%. Et ça descend. Carajo. Parker, appelle-la. Pour dire qu'on a bousillé la mallette. Fais-le aller. V, on parle que du Konpeki aux infos. Qu'est-ce qui se passe, putain? On a un problème. La mallette cryo est endommagée. L'intégrité de la biopuce est à... Jackie. 86%. 86% et ça descend. Merde. Bon, écoute-moi bien. Il y a plus qu'une chose à faire. L'un de vous doit insérer la relique dans son port neural. Ça m'a l'air un peu risqué. Plus vous attendez, plus on risque de la perdre. Bon. Un de nous doit s'y coller. En el nombre del padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Jackie, ça va? Je sais pas. Je crois. Je sens aucune différence. À votre tour, on retirera la relique et on lui fera un scan cérébral complet. Mais pour ça, vous devez vous grouiller de sortir de là. C'est ce qu'on essaie de faire. Del, on arrive. On sera là dans pas long. Tiens-toi prêt, ok ? Très bien, monsieur Wells. Vaudrait mieux, putain. Là, il faut trouver comment rejoindre le hall. C'est le seul moyen d'accéder au garage. Il vaut mieux pas traîner. Ahora sí. Super ! Allez, on s'arrache de là. Agression d'un agent de la fonction publique. 230. Ça a vite augmenté, hein. Votre attention. Le Konpeki Plaza.
Veuillez rester dans vos chambres et suivre les ordres du personnel. J'ai pas le temps pour tes sarcasmes, mais c'est... On descend et on se les fait discretos. Les forces d'élite? Elles sont dans le hall. Elles vont ratisser tous les étages. Allez, on va les pirater. 55, 1C. Ok. Ah, raté. Allez, on reprend. J'aurais essayé. Hein. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les ordres du personnel. J'ai pas le temps pour mes arcades. On peut y en verrer fort et on se fait discretos. Les forces d'élite? Elles sont dans le hall. Pour ratisser tous les étages. Un silencio. Le résident et un robot de combat. Un pour toi. Des drones ont détecté des menaces à l'étage du penthouse et ouvert le feu. On a fait évacuer Yorinobu Arasaka du bâtiment. Je répète, on a fait évacuer Yorinobu Arasaka. Ça ne dit rien de... Regarde ce qu'on a là. Attrape, bâton! Fais gaffe. Ça grouille sûrement de garde dehors. Ok. Tout doucement, mais ils savent qu'on est là. Donne-moi ça. Ah, faut l'équiper. Inventaire. Ici, hop. Ok. Votre attention. Le Konpeki Plaza a été placé en alerte rouge. Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Par là. T'as vérifié les salles. Bon, je vous explique, j'ai eu le jeu qui a planté, donc je suis mort une fois à cette scène. Le jeu a planté, donc je vais faire un cut et on reprend à partir de là parce que c'est pas top. Allez, on est reparti donc. Alors, est-ce que j'avais cette mitraillette. Allez, on reprend. Hop, désactivation de la caméra. Toi, je te laisse tranquille. Toi, il y a besoin de rien. Hop là. Tac, tac, ça dégage. Allez, piratage, donc 55. BD, hop, on est parti. Redémarrage, redémarre. Hop. Allez, problème résolu. Tu me donnes ce que t'as, t'es pas énorme là. Non, est-ce que j'ai un pistolet, quelque chose? Même pas. Donc. Ici, il y a deux ennemis qui arrivent. Personnel.
Allez. On les a tous eus. Donc, ici, on a un gun. On va le prendre. Hop, pistolet. On l'équipe. Hop. Il est plein ? Ouais, ok. Allez. Ça, on récupère. Il m'a attaqué ! Ça va chauffer ! Allez, on fonce ! Allez, ça c'est fait. Je crois que c'est bon. Grenade, shotgun, hop. Botte militaire. Ici, il y a quelque chose, non. Allez, on avance. Arrête ça ! Votre attention. Allez, bande d'enculé ! On va avancer ! Ah, elle est mort. On va se planquer. Sous poignée. Allez, mort. Non. Toi, c'est de la merde. Ça vaut pas un clou. Allez, on recharge. On va équiper le shotgun, si ce n'est pas fait. Ouais, voilà. Hop, comme ça, on avance. Le Compeki Plaza a été placé. Ah, c'est joué ! Veuillez rester dans vos chambres et suivre les instructions du personnel. Vous feriez mieux de foutre la paix, cognos. C'est parti! Ça je prends, ça je prends. Ça je prends. Allez, on avance. Là, il y avait ça. Alors, BD. Hop. 55. Un C installé. Merci. Ensuite, j'ai avancé. On va passer là. Ici, il y avait ça. Allez, on fonce ! Fils de pute ! Ici, il y avait ça. Ici, il y avait ça. Il est touché ! Allez, dead ! Fais pas de quartier ! À soigner. Soldat tué au combat. Allez, ça c'est fait. Ça je prends, ça je laisse. Ça dégage. On peut le pirater. Là, toi. Tuer ou mourir. Il est à l'arrêt. Et l'autre, il fonctionne. Joli. Allez, ça dégage. Ça, c'est pour moi. Ça, on s'en fout. Ok, c'est là où on était. D'accord, si je dis pas de conneries, ça, c'était nos chambres. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, non. Donc ça, c'est plein. Ça, c'est plein. Et ça, c'est plein. Donc, on va où maintenant? Voilà, c'est à jour. Maintenant, on avance. Munition de fusil à pompe, ok. Ça, ça reste. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ouais, là, il y a un truc. Contact ennemi! J'attaque!
Ça s'en fout, ça s'en fout. Okay. On va prendre le pistolet. Toc. Allez, on avance parce que là. Fais gaffe, faut pas qu'il nous repère. Allez, on fonce. Là, désactivation. Ah. Protocole. Hop. 55-55. Il n'y a pas de 55 ici. Hop, hop, hop. Non, même pas. E9. Peu raté, tant pis. Merde, j'ai plus de balles. Et lui, il est mort. On va se soigner. Il est touché. Continuez de tirer. Allez, ça dégage. Ça, c'est pour moi. C'est la munition pour fusil. Merci. Grenade aveuglante. Ça, je sais pas ce que c'est, je m'en fous. C'est quoi, il bug lui ou quoi? Ah ouais, il était bug à mort. Eh mec! Alors désolé, mais j'ai pas le choix. Voilà. Booster de santé, tu me donnes. 8 S par balle, tu me donnes. Cœur d'accès, tu me donnes. Avec toutes les autorisations. Et ça, je le prends. Alors on va où? La... Ok. Quoi? Saburo Arasaka. 150 ans. Et aujourd'hui. Pile aujourd'hui. On dirait que. Dieu avait envie de se marrer. Jackie, garde tes forces. Tu crois que je fais quoi? Allez, on va s'échapper si possible. On va s'en tirer. Vaut mieux. Dis ça à Bug. Va dire ça à Bug. Elle serait peut-être encore en vie si on avait été plus prudent. Passe pas tes nerfs sur moi. Ce qui doit arriver arrivera. Bon, on arrive là ou... Ça pue l'embuscade à l'arrivée, ça. Je l'avais dit. On va les défoncer. Allez, lui il est mort. On se soigne. Ça c'est pour moi. Après le code, je sais rien moi. Ok. Fais gaffe, Vitoru.
passer là, non. Ça c'est fait. Ça aussi. Eh merde. Alors là, si ma mémoire est bonne, on avait une espèce de gros pétard. Voilà, ça. Mitrailleuse légère. On a des balles pour ça? On en a 53. Comme si on n'était pas déjà. Vas-y, on va le pirater parce que sinon on va pas y arriver. 55, 1C, ici, ici, E9. Ah fuck. Y'a pas le E9 là. Ah, raté. On peut le repirater? Non. Putain, il est tendu. C'est quoi un juste un méca? Ok. Salut. Putain, il est résistant ce truc. Oh, c'est terrible. Allez, là. Ouh. L'entrée, elle est juste devant nous. On va juste voir si on n'a pas une autre arme pour remplacer celle-là. Et après, on bouge. Non, 0 balles. Bon, on le démolit. Il a presque plus de vie, l'entrée devant nous. Une bonne grenade. Là. Allez. Vastier. Donne-moi ça. Espèce de tas de ferraille. Hein. C'est quoi ça? Pour moi ça? Alors toi là-haut, va chier. Et toi, va chier. Allez, on se casse. Même tarif. Donc là, on est à l'accueil. Ok. Ici. Allez, hop, on y va.
Tu viens? Allez, arrête, qu'on se barre. Allez, parking. J'ai perdu du sang. Où ça? Montez dans le de la main. Il est touché. De la main. Allez, go. Des problèmes, on va en avoir si tu fonces pas vite fait. Pas mal. Commentaire client noté. La caisse est dans quel état? En excellent état. Nous sommes poursuivis, hélas. Putain de merde! De la main! Activé. Veuillez rester calme. Calme! Barrage routier devant. Je... Aïe! Bistroué, moi! Un appareil ennemi hostile nous a verrouillés. Je m'en occupe! Tire dessus! Oh, il pourrait pas laisser tomber! Recharge. Recharge, allez. Ok. Beau boulot, Del. On a réussi, Jackie, putain, on a réussi. On dirait bien. J'ai entendu un bruit bizarre. Le médical indique que Monsieur Wells est dans un état critique. Continue chez HRQ-Doc, maintenant. Toutes mes excuses, ce ne sera pas possible. Notre itinéraire a été prédéfini et payé d'avance. Aussi n'ai-je pas la liberté de le modifier. Rien à foutre! Fais ce que je te dis! C'est bon, V. Je tiendrai le coup. Oh, je conseille de garder Monsieur Wells conscient. Ça va aller. Tu vas revoir Misty, ta mère, tous les gens que t'aimes. Jackie, garde les yeux ouverts. Misty? Elle sait toujours. La biopuce. Prends son soin pour moi. Mais non. Monsieur Wells vous a désigné comme personne de confiance s'il venait à décéder. Que dois-je faire de son corps? Quoi? Le forfait Excelsior comprend le traitement des dépouilles des passagers sans surcoût. Il suffit de m'indiquer une destination. Nulle part, attends-moi ici, ramène-le chez lui à sa famille, amène-le à la clinique du Victor. Laisse-moi juste une seconde, ok? Alors, je ne sais pas où on va le ramener. On peut le ramener à sa famille, chez Victor, celui qui nous a mis le... l'implant, là. Alors là, c'est une bonne question. Alors, je pense que... Où souhaitez-vous que je conduise? Je pense que... Nulle part, attends-moi ici, ramène-le chez lui, à sa famille. On va le ramener à sa famille, hein. Il voudrait être avec sa famille. Le parent le
plus proche de Monsieur Wells est Guadalupe Alejandra Wells, propriétaire du bar El Coyote Corro. Je veillerai à lui remettre la dépouille. Monsieur DeShawn vous attend dans la chambre 204. À bientôt dans la cour des grands, Jack. Où est-ce que nous sommes dans toutes ces conneries? Allez, à la chambre 204. Yo. Donne-moi le bouquin, là. Non, je veux le bouquin, moi. Ah là là, c'est fastidieux. Là, moi je veux ça. Voilà, hop. Bah, il y en a un là. Moi aussi, je suis là. J'en ai pas un. Si. Merci. Allez, on va aller voir Dex. La chambre 204. Sympa ton manteau. La chambre 204. Je la trouve comment la chambre 204 moi? Ah, il y a le... Oh. En haut j'imagine, un hôtel, motel, ok. Quand tu disais un hôtel miteux, je comprends mieux. Ok, c'est au-dessus. Je regarde comment c'est tout de même. Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord. Merci. Donc, c'est quoi ça? Donc, la chambre 204. C'est juste là. Quel temps de chien. Allez, faut toquer, faut sonner. Allez. Laisse-moi entrer. Il t'attend. Putain, on dirait Terminator. WNS, N54, même les réseaux pirates. Tout le monde parle de vous deux. Et l'ami Jack, alors? Il est dans la voiture? Ouais, il y est mort. Ouais, il y est. Mort. Mes condoléances. Et la relique? Si je lui dis que ça a foiré... Bah ouais, après tout, attends, il s'en bat les... Enfin, on va pas se mentir, il s'en bat les couilles. Donc vas-y, je veux dire, ça a foiré. Voilà une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Saburo Arasaka, il est mort. T'as une idée de la merde dans laquelle tu m'as mis? T'as buté l'empereur, sa putain de majesté. Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette histoire sont morts. C'est vous qui nous avez foutus dans ce merdier! Vous l'avez préparé comment, ce plan? Vous saviez pas que Saburo Arasaka serait à l'hôtel? J'ai pas accès à son putain d'emploi du temps personnel! Et puis personne vous a demandé de buter le vieux! C'était pas nous, putain! Sans blague, tu diras ça aux ninjas d'Arasaka qui vont te coller au cul! Allez, calme-toi. Va falloir agir avec stratégie. Nouvel endroit, nouvelle identité. Mais d'abord,
Ton visage, il est couvert de sang. T'as une salle de bain, là. Allez, va te rincer un coup. Il me dit rien qu'il vaille. J'avoue. Voilà. Bonne patate, ça fait du bien. Ça, c'est pour Jackie. Waouh. Bon, allez. Oh le con. J'ai pas le choix, V. Tu te souviens de notre première discussion ? Je préfère mener une vie paisible, Dex, finalement. Vous foutez quoi ? Pas de mort spectaculaire pour moi. Eh bien, voici la fin de cet épisode. Donc, on pourrait dire qu'il y a eu beaucoup de morts. Entre le vieux Arasaka qui est mort, Jackie qui est mort, nous qui nous sommes pris une balle dans la tête, on est mort. Point d'interrogation, on ne sait pas. On verra la suite, donc, au prochain épisode. Bon, petit spoiler, je pense que non, hein, c'est logique. Dishton nous a trahi. Hein, de toute façon, on le savait d'avance, hein, vu sa tête de criminel à celui-là. Donc on verra bien comment se présentent les choses par la suite. On a toute la compagnie Arasaka donc au cul, hein, là c'est sûr et certain. On nous accuse d'avoir tué donc le grand-père, qui avait 150 piges quand même, avec une voix de robot qui m'a un peu foutu le frisson, on va dire. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il devrait être assez long, je pense. Donc, si vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu, laisser un commentaire, me dire si vous avez des remarques à faire dans les commentaires, quelque chose qui vous a plu, vous a pas plu, ou toute autre chose, évidemment. À noter que donc, si vous en êtes arrivé jusque là, je vais inclure à la fin de cet épisode 3 ou 4 petits extraits de missions secondaires. D'intervention de la police où il faut neutraliser des gens, etc. Il y aura une mission secondaire aussi où il faut retrouver l'œil de quelqu'un qui l'a perdu à un jeu de cartes. Donc on rentre dans une espèce de cafétéria tenue par les Tiger Claws, si je dis pas de bêtises. Voilà, il y aura aussi une petite intervention où c'est un petit événement aléatoire où on aide la police contre des criminels. Voilà, donc il y aura pour à peu près peut-être 20 minutes, 25 minutes de petites quêtes secondaires, ce genre de choses. Voilà, donc pour ma part, je vous retrouve la prochaine fois pour la suite donc de cet épisode qui aura été donc riche en aventures, en émotions, je dirais. D'ici là, je vous souhaite donc bonne vidéo, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye!
Ouais. T'as déjà essayé? Non. T'as pratiquement aucune chance de gagner. Comment ça? La chance, c'est toujours la même, non? Soit tu perds. Servez quoi? Bah quoi? Maman vous a pas appris à lire? Bah, tout est sur la carte.
Je vais le décapsuler. Thank you.
Jacob a retrouvé son œil, alors je mets fin à ce contrat, mais... V, on sait tous les deux que t'as bâclé le travail. Mets-y un peu plus du tien la prochaine fois, d'accord? Le contrat est bouclé. Et merci.
Thank you.